Cinquième et dernier sortie journal Mitan Journée pour semaine ça. Bonsoir tout le monde et bienvenue. Tout de suite, information en détail, comité élaboration plan réforme administration publique là 2018-2023 remettre by président République là officiellement dans Palais National jeudi 11 octobre là programme modernisation de l'État jusqu'à 2023. Document ça gagne la dernière ensemble disposition exécutif la prend pour permettre population joindre plus bon service dans une fonction public puis responsable. Sabine Jean-Étienne avec Jean-Naël Duvernay pour un reportage. Document ça, c'est résultat de séminaires avec une trentaine d'ateliers qui fait dans divers coins pays avec diverses qualités professionnelles et puis techniciens locaux coin international. Président comité cap travail sous réforme l'État, Josué Pierre-Louis, cite trois qualités résultats yo attend de programme ça qui centré sous bonne gouvernance et qui implique tout 11 axes prioritaires. Parmi eux, transparence dans le système gestion administration publique là, modalité passation de marché, respect quota 30% femmes dans fonction publique là. Mesdames et messieurs, le programme de modernisation de l'État affiche une stratégie extrêmement ambitieuse à la hauteur des défis que doit relever l'administration publique haïtienne. Un État moderne qui répond aux aspirations des usagers. Telle est la raison d'être du PME 2023, conformément à la vision du chef de l'État et à l'engagement du chef du gouvernement de mettre l'État au service de la nation pour l'amélioration des conditions de vie de la population et de transformer à cet effet l'administration publique de notre pays en un appareil efficient et efficace, capable de répondre aux besoins de la population. Président République Jovenel Moïse, une fois encore, dit le clair sous ça, pendant 5 années dans tête pouvoir, faut que population en joigne service. C'est un engagement qui visait by Haïti une autre direction sous route modernisation l'État concrètement. Un plan qui a pour membres institution l'État avec participation active jeunesse là. L'OMRH en charge du pilotage de la réforme sous l'autorité du Premier ministre, doit être appuyé et doté des moyens nécessaires pour continuer à assumer cette mission si prenante et qui tient d'un défi majeur qu'il nous faut relever avec détermination et ténacité. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, j'attends dans les 6 prochains mois le bilan de l'application de l'axe de 1 du programme de modernisation de l'État 2023 traitant de l'amélioration de la qualité de service dans tous les ministères, sans oublier le projet pilote des institutions qui ont signé récemment la charte d'engagement de la qualité de service public. Les réformes sont nécessaires. Je sais que nous avons des problèmes de ressources. Je veux parler de ressources humaines et de ressources financières. Dans l'application de l'arrêté sur le train de vie de l'État, je veux parler des 60 autres articles qui restent à appliquer. En appliquant ces 60 autres articles, l'État va trouver les moyens nécessaires pour financer ce travail. Et je sais que nos partenaires techniques et financiers qui sont là avec nous aujourd'hui vont certainement accompagner l'État haïtien. Josué Pierre-Louis félicité membre comité élaboration d'est-ce qu'il a respecté de les chefs l'État te mettait devant yo pour finaliser travail sous remembrer l'État sorti 2018 pour arriver 2023. Un calendrier qui doit suivre étape ça yo avril août 2018 pour poursuivre travail comité élaboration août 2018 pour remettre exécutif là plan de mise en œuvre là octobre 2018 pour publier document officiel là qui fait journée jeudi 11 octobre là. Rete Koulia pour lancer dans jou kap vini yo campagne vulgarisation ak implémentation plan mise en œuvre réforme l'État.
instabilité qui gagne dans la circulation goudla par rapport à dollar sous marché a poté exécutif la tourner sous décision li té prenant arrêté qui té poté date 28 février 2018 là qui té interdit transaction faite en dollars américains sous territoire d'après déclaration Guichard Doré conseiller président République là. Guichard Doré expliquait toutefois li toujours yon obligation pour business yo afficher prix produit yo en goud. Guichard Doré a répondu question Sabine Jean Etienne avec Jean-Aël Duvernay. Bon, c'est vrai que dans la pratique, nous gagnons en transaction qui était faite en dollars et en good et arrêté master dernier, il était censé et interdit ça, double circulation. Bon, c'était que une volonté pour te faire appliquer la Constitution. Parce que la Constitution, y compris les autres lois qui prend pour permettre d'y appliquer, reconnaître que la monnaie nationale qui a fait transaction avec, c'était la goutte. Mais il se trouve que dans la pratique, il y a deux monnaies qui cohabitaient dans la transaction en Haïti. C'était la goutte et le dollar. D'ailleurs, on a eu un accord, l'accord de 1919 avec le gouvernement américain, côté de une parité fixe et au taux de 5 gouttes pour un dollar. Donc aujourd'hui, pas un taux fixe, c'est chaque trois les monter, les descendre en fonction des pressions, en fonction des demandes qui gagnent, monde qui besoin de dollars, soit pour y faire d'ailleurs depuis 2011 tout, je crois qu'on a autorisé les gens à ouvrir leur compte en dollars, il y a monde qui besoin économiser pour sécuriser comme une monnaie qui est plus forte. Est-ce que c'est instabilité ça qui gagne sous marché A qui explique et changement de décision ça? Non, le gouvernement vient de prendre parce que il y a des acteurs économiques qui pensaient que la mesure, l'arrêté était créé en anticipation. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de dollars parce que ils n'ont pas besoin de dollars, bon, ils ont besoin de dollars, bon, ils font anticipation rapidement, bon, on fait pression sur le goût de là, bon, ça m'a dit que pour me faire un dollar plus rapide, monter. Donc, maintenant, pour tenir compte de ça, donc, ils ont retourné à la scène décision. Et puis, deuxièmement, il y a des institutions qui ont besoin de dollars, par exemple, BNP, ou d'autres secteurs qui peuvent être capables de dollars parce que c'est interdit. Aujourd'hui, arrêter ça à le rapporter, il n'est pas interdit pour acheter un dollar ni pour vendre un dollar. Sauf que l'arrêté a précisé que tout prix est supposé afficher en goutte. Mais, si vous avez un dollar, vous voulez payer un dollar, pas de problème. Et au capé en dollars, il n'est pas interdit. Donc, pourquoi c'est ça pour nous retenir? Donc, il n'est pas interdit la double circulation aujourd'hui, ou cap gagne dollars pour acheter, vendre en dollars, pas de problème. Mais, il n'y a pas qu'à forcer pour acheter en dollars ou bien pour vendre en dollars. Donc, les prix doivent être toujours affichés en goudes. Est-ce que Kounia, ça va venir créer en confusion les magasins où on faut afficher prix en goudes et pourtant, on est libre pour acheter en dollars ou en goudes? Mais, non, mais, ça pour comprendre, c'est que. Mais, tout, il n'y a qu'à afficher prix en dollars. C'est une monnaie de référence. C'est pas une monnaie de transaction courante officielle, il est autorisé mais pas un texte il faut ça pour faire. Donc que les tout non monnaie de référence, c'est comme ça lié là yo dit là et me penser que arrêter ça retourner à situation de gain avant arrêter que prendre en mois de mars là et qui saute passé. Jeudi 11 octobre, la génie militaire haïtien yo tan men yon opération nettoyage sous piste aviation Port-Pea. Opération nettoyage sa rentre dans cadre koutmen ministère défense a bay autorité locale après tremblement de terre 6 octobre 2018 la. Lounel Jean-Louis ak Denis Jasmin te sou plas, y ap di nou plis. Téléspectateurs de télévision nationale d'Haïti, et une autre fois encore, nous saluons. Donc, j'ai constaté là, nous sommes toujours sur place dans le département d'Ouest, là, et spécialement dans la ville pour des paix, pour nous faire vivre toute intervention, toute action qu'a posée en termes d'accompagnement avec la population dans la ville, ça, j'ai notre connaissance qui était frappée par le séisme qui était passé sur le pays d'Haïti dans le week-end 6 octobre passé. Donc, j'ai constaté là, nous sommes sur piste aviation dans la ville pour des paix, côté n'a pas assisté avec une opération de nettoyage qui a duré plusieurs jours que militaires haïtiens ont tamé jeudi 11 octobre 2018 là. Donc j'en ai constaté là, j'en ai regardé là. Piste aviation, il y a une bonne partie là-dedans que la population a utilisé pour jeter fatra, pour faire des charges. Donc jeudi 11 octobre 2018 là, militaires haïtiens ont tamé une opération, selon ça, ils ont fait nos connaissances, une opération qui a duré plusieurs jours. Donc dans le cadre de coupe-main, qu'il y a bail avec autorité locale donc pour assainir la ville là pratiquement avant que yo même yo déplacé dans la ville ça. Donc nous invitons souvent ensemble avec nous comment l'opération a déroulé. On avec autorité locale on est en visite l'autre site dans la zone là dans la communauté pour nous visiter pour travailler là-dedans. Décharge là sur route Jean-Abel là.
c'est la autorité locale comme décharge. Oui, mais est-ce qu'il y a une disposition qui prend pour parler avec membres et la population en tout pour sensibiliser parce que nous remarquons qu'ils ont utilisé là et comme un site pour jeter fatra. Oui, parler ça à l'autorité locale pour sensibiliser la population pour qu'elle puisse utiliser la façon à utiliser des déchets, j'habite des déchets. Donc, sensibilisation a fait dans le niveau qui est au niveau là, l'autorité locale a passé la donne. L'opération a duré combien de jours ou bien combien de temps? Sur l'opération, a duré une cinquantaine de jours, cinq jours. L'autre dossier, Institut Bien-être Social et Recherche, visité jeudi 11 octobre, plusieurs orphelinats dans le cadre de mission libre pour assurer le timoun dans l'orphelinat par de maltraitance et abus sexuels. Sous 757 maisons accueillies qui sont dans le pays d'Haïti, 35 là-dedans ont une autorisation pour fonctionner. Directrice générale Institut Bien-être Social et Recherche, là, Ariel Gentil-Vildoin, fait qu'on est l'important pour voyager jeter habitude immoralité sous question ça. Pendant qu'il souhaite investissement ambassade yo ap fè nan orphelinat yo orienté nan yon l'autre direction. Ariel Gentil-Vildoin a pote plus explication nan micro Stéphanie Charles ak Robert Chéri. Dernière étude que nous faisons faire, évaluation 2018, là, nous avons que 35 maisons d'enfants qui respectaient les normes et qui prennent autorisation bien-être social de 2018 à 2020. Maintenant, on voit que nous avons des centres qui jaunes, côté nous avons des injonctions, et c'est pour ça que m'inviter au tout, parce que nous avons une équipe bien-être social qui est là pour recevoir, pour voir comment nous avons amélioré l'injonction. Mais bien sûr, nous avons 424 qui rouges, donc ça, c'est les centres qui sont obligatoirement supposés fermer. Moi, capable de dire que l'évaluation que nous faisons, préoccupation est venue surtout de l'étude que nous recevons de l'UMOS et de CRS, côté où après que 70 millions de dollars US entrent chaque année en Haïti pour un tiers de orphelinats ou de maisons d'enfants. Donc c'est pour ça que je dis à nos tarimés bien-être social aller vers un changement de comportement, un changement de mentalité. Et ceci même avec partenaires. Nous avons demandé partenaires pour être capables d'aller vers des solutions familiales. Au lieu de financer les maisons d'enfants, est-ce que vous êtes capable de renforcer les familles haïtiennes, permettre que les gens vivent dans la famille? Donc c'est le but évaluation ça. Et je dis après que nous sommes accompagnés avec les partenaires et je pense que c'est ensemble pour nous agir, pour nous voir comment nous allons changer la situation. Et nous connaissons que la famille, c'est la base de la société. Donc nous sommes obligés de renforcer la famille pour que le pays à tout ne continue à éclater. Quand on voit la quantité de gens en orphelinat, la quantité de gens dans la rue, on voit les gens en situation de domesticité. Donc c'est un problème économique. C'est pour ça que nous avons essayé d'orienter le financement vers un renforcement des familles. Mairie Port-au-Prince, dans tête collée avec responsable ministère conditions femmes et droits femmes, célébré jeudi 11 octobre la journée internationale TIFI sous thème des filles à femmes. Dans l'occasion, magistrat adjoint commune Port-au-Prince, Ketina Belab, encourage jeunes filles, bail plus importance à éducation et puis apprendre métier professionnel, une façon pour permettre de répondre à besoins sociaux économiques. Magistrat Ketina Belab a apporté plus explication dans le micro, Colo Elisier et Henri Robert Chéri. Alors, nous avons commémoré le jour, nous ne pouvons pas quitter le passé comme ça. Côté que nous avons près de 300 jeunes filles avec nous en dedans, qui sortent dans toute l'école qui est dans la commune, l'école privée, l'école publique, nationale, communale. Et nous là avec nous, nous avons fait des causeries avec eux. Nous avons des intervenants, femmes, qui viennent parler avec eux, spécialement sur l'accès à l'emploi pour filles. Dans le pays, nous, à tout. Et nous connaissons tout que tout problème de genre, d'équité que nous gagnons dans le pays, à tout. Et que nous voyons que aujourd'hui, ce n'est pas un jour où nous jamais quitté passé comme ça. Et avec l'équipe dans le mairie, nous planifions, nous jouons avec PCM, qui donne un coup de main financière, qui assure que tout le monde a fait. Et nous jouons avec ici, le même doyen qui ouvre bral, ouvre auditorium nan pour nous, dit nous vini, vini faire activité ça là à la Kaili. Parce que d'ailleurs, ou pas combien de petits mesdames ça qui demain pral vin fréquenter espace ça pour yon ka médecin ou bien pharmacien demain. Et nous jouons avec un ministère conditions féminines tout qui voyait moun pa yo là pour faire des pour parler de sur des sujets spécialement sur l'accès sur à l'emploi. Nous PCM parler tout, PCM c'est coopération que nous gagnons avec Canada. Que déjà, c'est eux-mêmes qui aident nous. Alors,
En plus de ça, nous avons des policiers qui viennent, nous avons des docteurs qui viennent, nous avons des artistes qui viennent, nous avons des sportistes qui viennent, nous avons des génies civils, des ingénieurs qui viennent. Nous avons différents types de femmes professionnelles qui sont là avec nous sur le panel. Là. Et que deuxième partie journée, c'est ça lié, c'est le panel là qui peut expliquer mesdames, yo, qui ont même sorti de Tifi, privé, femmes professionnelles que vous avez dit. L'autre nouvelle, Centre Entrepreneurship, Leadership en Haïti, CEDEL Haïti, lancé jeudi 11 octobre, la 7e forum annuel sur Entrepreneurship. Activité ça a déroulé, sorti 15 pour arriver 17 novembre, cap vini là, dans Centre Convention BRH Port-au-Prince, sous thème des déchets à la richesse. Co-fondateur CEDEL Haïti, à économiste Rock André Fekone, année ça, thème qui choisi pour 7e édition forum sur Entrepreneurship là, à permettre monde cap travail dans transformation dans le pays à rencontrer et puis changer l'idée sur Jean Yoka grandi secteur à c'est pour l'occasion tout pour responsable attirer attention monde sur problème fatra dans le pays à d'après responsable programme forum là Valeska Maurice a bien plusieurs séances sensibilisation pour aider population en gestion fatra ou l'état avec municipalité sur question ça dans le pays à exposition à marathon Valeska Maurice lance un appel bon côté tout acteur élève l'école université et membres dans secteur privé pour participer dans activité ça qui permet yo gagne l'autre idée sur question fatra dans pays a. Nous invitons sur un extrait dans micro Falan Delphin ak Henri Robert Chemi. Le staff de CEDEL nous a réfléchi pour nous garder pour nous qui thème nous capable choisir qui plus approprié. Et nous avons choisi un thème nous garder en fonction besoin yo. Et à partir de observation nous fait nous dit tête nous mais gros problème sérieux dans pays a. C'est problème fatra. Nous d'accord avec moi, le nous partir, nous voyager dans un pays étranger. Tout haïtien nous toujours content parce que nous avons un pays yo propre, l'autre pays yo propre. Mais aux questions simples, est-ce que pays pan n'est pas propre tout? Est-ce que nous mêmes haïtiens nous fait pour nous vivre dans fatra? Situation ça qui toujours révolte nous de manière individuelle, li vinn révolte nous comme une institution nous dit problème fatra qui ça nous capable de faire avec lui. C'est en ce sens et nous décidons de nous faire forum ça du 15 au 17 novembre sous thème des déchets à la richesse. Au lieu que nous ayons fatra comme un problème, mais nous allons regarder fatra comment nous capable utiliser pour nous créer richesse. Et richesse est capable de créer de diverses façons. C'est capable c'est monde qui prend déchets organiques là, il fait compost avec lui. Il fait engrais avec lui. C'est moun qui prend sachet plastique qui lagué dans la rue, il fait valise avec lui pour timon à l'école. C'est moun qui prend vieux caoutchouc, vieux morceau pièce machine, il fait meuble avec lui. J'ai nous t'a regardé dans vidéo ça avec entrepreneur Roseline Seyid. Donc pendant 3 jours qui ça nous va faire? Nous va mettre moun ça en valeur. Depuis on mon gon initiative déchets à reprendre pour faire positif avec lui, gain place pour dans forum ça. Nous gain pour nous présenter une série de entreprises qui déjà réussi dans secteur qui pour montrer démontrer nous qui genre de produits eux même yo gain pour produit dans secteur de gestion de déchets qui ça yo fait ensemble avec et yo pour expliquer nos expériences comment l'autre monde dans public là capable utiliser même expérience ça yo pour monter propre business pa yo pour capable joindre avantage de problèmes sociaux ça qui touchait nous toutes là. Après ça, nous gagnons pour nous parler, pour nous faire hommage avec deux personnalités qui existaient depuis longtemps dans la gestion des chaînes en pays. Et puis, personnalité ça, nous gagnons intention pour nous capables d'honorer. So, après ça, nous gagnons pour nous parler à, en général, qui terme, qui problème gestion des chaînes, qui ça lié en tout, en général, et en plus, qui sont capables de toucher chaque acteur dans le secteur pour nous capables de mettre tout le monde ensemble, pour nous réfléchir sur lui, pour nous conscientiser, informer tout le monde et puis pour nous capables de trouver une solution qui est durable avec le problème. Ça. Après un coup de pause, pas déplacé, Naptonet. Dans la page internationale, pour Pipiti, 11 monde perdit la vie aux États-Unis suite à passage ouragan Michael jeudi 11 octobre 2018. Là, service urgence État Virginie confirmé la mort 5 monde. Betty Abdinoplis dans un reportage.
Ouragan Michael, la cause pour Haïti, 11 personnes perdu la vie aux États-Unis. Autorité a annoncé vendredi 12 octobre la mort 5 personnes dans l'État Virginie. Service urgence État Virginie confirme information ça. Tempête a passé sous Virginie jeudi na souhait tout pendant ta prend direction en Floride pour qu'elle l'île ali écarté territoire américain côté le rétrogradé en cyclone post-tropical. Ville côtière Mexico Beach dans Floride te ravagé dans Mexico où qu'attendait seulement bruit alarme contre diffé kay qui détruit et puis moun yo commencé à retourner la caillou habitant qui t'était yo sorti pour constater des gaillou avant Mexico Beach à Panama City ouragan te frappé à Palachicola dans l'état Floride mercredi 10 octobre passé. Et c'est sur notre salle, amis téléspectateurs, nous mettons en bout dans la cinquième et dernière sortie du journal Mitan Journée pour semaine ça. Nous te prenons pile plaisir pour informer. Restez sous TNH pour la reste programmation. Bon week-end. Bye bye tout le monde.